Salut à toutes et salut à tous, c'est Chromie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle émission. Le premier épisode de, j'espère, d'une longue série, on verra bien. Sur, qui sera consacré aux perles de la NES. Alors, qu'est-ce que j'entends par les perles de la NES? Eh bien, nous allons faire pendant une petite heure et demie du jeu rétro. On va tester des jeux NES qui sortent un petit peu de derrière les fagots, comme on dit. Donc, en gros, eh bien, j'ai une liste ici. Alors, je vais pas vous montrer. J'ai une liste ici de 3000 jeux, tout comme ça. De 3000 ROM. Donc, évidemment, je ne connais pas tous les jeux qu'il y a dedans, hein, loin de là. Et donc, on va choisir des jeux un petit peu au hasard, les tester, voir s'ils sont bien, évidemment. Et s'ils ne sont pas bien, eh bien, on les dégage, tout simplement, et on passera à un autre jeu. On va peut-être pas faire une heure et demie sur le même jeu, évidemment. On va peut-être tester 5, 6, 7, 10, 25, 150 jeux, peut-être. La webcam est dégueulasse, on a l'impression que je parle bizarrement. Ouais, ok. Donc voilà, alors on va tout de suite passer au premier jeu, donc voilà. Hop, on va passer sur l'écran, un écran noir, magnifique. Donc ça c'est l'écran du jeu qui pour l'instant eh bien, est vide de jeu, évidemment. Alors juste un instant, je vais juste... Hop, voilà, on va juste contrôler que... Tout se passe bien, évidemment. Hop, je vais. Hop, là vous avez vu ma souris. Hey, salut toi. Tu es bien belle. On va choisir un jeu directement. Alors, open. Là, vous ne voyez pas la liste, c'est dommage. Alors, on va commencer. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait bien commencer? On va. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir commencer? Alors. Alors, on va commencer par un petit Bionic Commando. C'est quoi ça? Une version européenne, une version US. On va faire la version européenne, hein, ça a l'air pas mal. Bionic Commando, c'est parti. Alors, c'est fait par Capcom. Ok, sorti en 88. Licencé par Nintendo. Ok, donc là on va appuyer sur Start évidemment. Ouh, Captain, c'est du quartier général. C'est quoi? Les ordres sont les suivants. Entrer dans la zone ennemie. Sauver Super Joe. Allez, non. Sauver Super Joe. We're staying in... Oh merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je ne sais pas ce que j'ai fait, tant pis. Oula, il y a beaucoup de trucs là. 1, 4, 2, oulala. Please instruct us. Descend, transfert. Oulala. Oh. Alors, ok, donc on a un personnage. Alors, est-ce qu'il peut se baisser? Il peut aller à gauche, à droite. La touche du haut ne sert à rien. Il peut tirer ses trucs. Et la touche 1. Un grappin! Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Et le grappin sert à quoi? Là? Ah. Et... ok. Et ensuite... Oh. T'en vole pas, gamin. Ok. Donc on peut faire ça. Là. Ok. Oh, ça grimpe en plus. Ah, c'est un grappin comme... Oh, oula. Oh là, d'accord, attendez. Alors ça, on peut faire en diagonale, et oh. Oh, on peut faire des combos et tout, c'est génial. On peut passer par ici? Non. Alors, attendez, on va essayer. Là, on peut aller par où, là? Nulle part, ok. Donc on va essayer de monter. Donc là. Ok, donc en appuyant sur A. Et en rappuyant sur A, eh ben, ça nous fait monter. Oh là là. C'est pas très maniable ce truc là, mais bon, l'idée est pas mal. Ok, donc. Ok. Ok, d'accord. On va aller voir ce qu'il y a là au-dessus. D'accord.
Hey, salut! Une petite scène. Alors, Communi Wire Kid Trapping. This is MA1. Ok, je vous attendais. Plusieurs de vos agents ont déjà infiltré le secteur dans lequel vous allez avancer. Alors, pour les contacter, vous devez trouver une communication. Une salle de communication, d'accord. Donc, votre succès dépend de rester. On stay. Ah, de rester en contact. Ok. You should be able to wiretap and interact important information. Ouais. Ok. Ignore all danger and proceed to the open door. Ok. Donc en gros. Par là? Je voulais par là? Non. Non mais. Je vais de le faire ça. Ah, donc quand on fait B, ça annule. Ok. Bon, on va ressortir du coup. On n'a pas le choix. On peut descendre? Ouais. Hop, par derrière. Allez. Allez, tu ne m'as pas testé. Allez, par là aussi. Oh, attendez, parce qu'il faut que je passe de l'autre côté, moi. Là, ok. Comment je passe par l'autre côté? Ok. Non. Pas loin. Ok, on va essayer un truc dans ce genre là. Ça a l'air pas mal ça. Oh, par derrière encore. Et ouais. Hop, par derrière aussi. Ah, c'est quoi ça? Ok. Oh, on peut taper avec le grappin. Ok, pas loin. Attendez, on va faire comme ça. Ouais, ça m'est passé. Magnifique. C'est la fête du slip. Ah. Oula, oula. Oui, pas contrôle. Ok. Ok. Ça n'a pas l'air terrible non plus quoi. Oh. Ok. Bon, faut passer par où? Oh, le move du PGM. Ok. Ok. Là, tac, dedans. C'est bon, c'est bien. C'est un bon jeu, ça. On commence par un bon jeu. Je suis content. Ah, ça. Ah, on peut descendre comme ça. Il faut appuyer sur le bas pour descendre. Ok. Ah, ok. On fait le petit bond aussi. Bon, et jusqu'où? Ici? Ah, une salle. Alors, la zone 4 est un arsenal. Peut-être qu'on pouvait trouver des armes que nous pouvons utiliser.
Ah, c'est tout? Ok. Ok. Oh, elle est mort. Oh. Bon, on va changer de jeu. C'est game over. On va changer de jeu. Alors, on va prendre. Oh, un nouveau jeu. Alors, on va faire dans les A. Tiens, on va prendre un truc dans les A. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait bien prendre? Alors, on va prendre. Alors, ce serait en japonais ça, mais bon, on sait jamais, ça pourrait être bon. On va prendre Akujmaju dans Zetsu. Ça a l'air pas mal ça. Ça a l'air pas mal. Alors, si jamais on tombe, parce qu'il n'y a pas qu'il y a des jeux de cul sur Nintendo. Alors, ouh, château. Alors, si jamais on tombe sur un de ces jeux-là, eh bien, hop, la censure, hop, a plus de jeu. Voilà, c'est plus simple. Oula. Ça joue Konami. Ok, donc Akudatu Danjensu. Enter your name. On va mettre Chrome. On va mettre Chromie si on a cette classe. Ok, on s'appelle Komi. Ouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula. Castlevania ça? C'est Castlevania ça en fait? Ce serait une copie de Castlevania ou? J'ai l'impression que c'est vraiment Castlevania en fait. Ouais, c'est à Castlevania quoi. Je me serais fait arnaquer ou quoi? C'est quoi cette connerie? Je ne sais plus. J'ai tellement peu joué à Castlevania. Mais j'ai l'impression que. Ouais, c'est Castlevania ça. Je ne dis pas de conneries. C'est Castlevania, on va changer parce que c'est Castlevania, c'est un bon jeu, tout le monde connaît ça. Oh, c'est pas gentil l'araignée. Bon, comme j'ai eu 5 minutes à ce truc-là, c'est pas mal ça m'intéresse. Mais bon, évidemment, c'est Castlevania, c'est tronqué, évidemment. Parce que tout le monde connaît ce jeu-là, tout le monde sait que c'est bien, donc. Donc, les contrôles répondent très bien. Bon, évidemment, quand je dis ça, je fais une connerie. Donc, on a le fouet avec le B. Ok, gauche, droite, en haut, non. S'il peut se baisser, il peut se baisser. Donc gauche, droite, on peut monter les escaliers en faisant la flèche du haut, évidemment. On a touché du bout du truc, ok. On récupère des cœurs parce qu'on se fait défoncer. Pas terrible ça. Alors on va descendre maintenant. Mais c'est qu'est-ce que ça me. Oh, je sais pas. Hop, tac. Oh, l'esquive de prince. Deux mois après sur ce coup-là. Ça tient, ça tient. Oh. Oh, on est mort. Ah, mais on récupère pas les cœurs en fait. Bon. Oh, si c'est Castlevania ça, attendez. Il faut que je vérifie. Il faut que je vérifie. Un instant. On va ouvrir ça. Castlevania. Ouais, c'est complètement l'interface de Castlevania. Le 1.
C'est un Castle, c'est une copie de Castlevania ou peut-être le 2 ou quoi? On va essayer le 2, tiens. Attendez, je teste évidemment. Hein. C'est Castlevania 2 Game Start. Game Start Player 3. Ouais, donc c'est une copie de Castlevania en fait. C'est une copie de Castlevania, d'accord. Intéressant. Il y a beaucoup de trucs comme ça au Japon. Hein. Des copies ouvertes de jeux vidéo. Donc voilà, donc c'est une copie de Castlevania. Intéressant, mais évidemment, si c'est une copie, c'est peut-être pas non plus le mieux. On va prendre un jeu en C, tiens. On va aller les C, on va prendre. Non, pas Castlevania. Je suis tombé dessus. On va prendre Cluculand. Ça perd très très vite. Ah, on va prendre ça. Codename Viper. Ça sert pas mal. Oula, attends, il n'y a pas. Je regarde juste s'il n'y a pas dans le langage que je comprendrais. Attendez. C'est quoi Codename Viper? Attendez, parce que j'ai vu qu'il y en avait plusieurs. Hein, donc, Codename Viper qui. On va prendre celle-là. Voilà, Start, ça c'est mieux ça. Ça m'intéresse. Alors, mode de difficulté, on va faire Easy pour commencer. Ouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, nous avons trouvé un huge drug syndicate. Donc on a trouvé des drogueurs. C'est pas le bon terme, mais des vendeurs de drogue. Votre mission est de les détruire. Il y en a 7. Hein. On a trouvé un des commandos qui a été blessé et capturé dans l'un de ces 7 lieux cachés. Et ayez les grenades de lui. Yes, Commander Jones! Ah, donc nous sommes Monsieur Smith. Donc, oula, petit hélicoptère. Monsieur Smith, évidemment. Alors. Oh, nous avons un pistolet. Ah, mais les balles sont limitées, j'en ai 47 encore. Je peux regarder en l'air. Meurs! Le jeu répond bien, les commandes répondent bien. Meurs. Ok. Meurs. Meurs, meurs. Oh non. Ok, on a deux. Ok, on a deux, trois, se faire toucher deux fois. Ok. C'est parti. Go. Ok, on fond. Oh, ça paraît très compliqué, un truc comme truc. Meurs, meurs. Ok. J'ai comment au-dessus? Là, par là. Oh, des balles. J'adore. Oh non, on s'est fait tuer encore une fois. C'est compliqué, ça a l'air compliqué quand même. Le jeu répond bien quand même. Oh non! Continuez. Je veux continuer, ce jeu a l'air pas mal. Commandeur, je sais pas quoi. Oh, ok, on peut faire des petits sauts, des gros sauts comme ça. Intéressant. Alors, hop, on va sauter. Oh, j'étais carotte. Ah non, pas carotte.
Hop, ok, lui chez carotte. Tudu. Ah, quand on regarde en haut, on saute plus haut. Ok, et hop. Donc ça, c'est un saut normal. Et ça, c'est un saut quand on regarde en haut. Yeah. Voilà. Pas de balle, ok. Oh non, il a pas sauté. Oh, c'est pas très sympa ça. Oh. Ok. Pas mal ça, mais bon, on en refait une. Voilà, on va refaire une petite partie, une petite. On revient là directement. On enchaîne les petits sauts comme ça là. Bombe, bombe. On fait comment pour s'en servir? Bon. On s'est fait tuer encore une fois. Mais les balles, ça nous one shot en fait. Oh! J'ai oublié qu'il était là lui. Bon. Oh, ça one shot, effectivement. Les balles, ça one shot, c'est pas cool. On change de jeu encore une fois. Hop, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc ça, c'est pas mal, ça. Ça, j'aime bien, ça. Ça, on va le noter. On va faire un petit bête fichier. Un bête fichier. Un fichier texte, tout simplement. Document texte, voilà. Il est où? Il est là. Alors, on met jeu NES. Hop, tac. Et donc, on va noter. Donc, dans les jeux NES, on va noter. Et alors, il y a quoi? C'est Codename Viper. Ça, c'est un bon jeu, ça. Ça, c'est un bon jeu. C'est un jeu qui a pas l'air trop mal. Pour peut-être une difficulté un petit peu. Faut prendre en main, quoi. Mais ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. On va passer à la lettre D. Où il y a Conan. On va tester. Qu'est-ce qu'on pourrait bien tester? Deep Dungeon 4 Kurono Yujutsushi. Ouais, ça a l'air bien ça. Ça a l'air pas mal. Allô? Allô? Allô, le jeu? Ok, le jeu ne répond pas. Ok. Ok, ça n'a pas l'air si bien que ça en fait. Ben, on va alors. Doki Doki Yuhengishi. On va faire ça, Doki Doki Yuhengishi. Oh. Petite ouverture.
Vape Game. Oula, ça bug un peu. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Doki Doki Amusement Park. Oh, un jeu d'amusement. On va s'amuser, youpi. On va passer les cutscenes, etc. Ok, donc. Oh, ok. Donc. On a un petit bonhomme qui balance des trucs. Ah, ils font battre les. Oh, il faut battre les clowns. Oh non. Oh, les clowns, c'est mes amis. Donc, on fait quoi? Oh, le jeu répond bien. Hein. La maniabilité est pas dégueulasse. Donc, on peut sauter. On peut envoyer son petit ballon. Et on récupère des dollars. Oh. Ok, et donc on envoie les petits ballons comme ça. Et on gagne du temps, mais du temps pourquoi? Voilà, ça saute, bien ça, ça. Hop. On va se descendre. Oh! Je comprends pas de ça. Oh! Oh, c'est pas très couvertin ça. Ah, on est arrivé à la fin du niveau. Magnifique! Et là, on va aller. Donc, ça, c'est un truc de parc d'attraction. Mais après, on n'aime pas le parc d'attraction. Puisque on a un password. Génial. Ah, on peut sauter. Ok. Donc, il faut récupérer des bonus. Petite séance de. D'attraction. Là, hop, on peut. On pouvait sauter. Tant pis. On peut, non, on peut pas sauter au-dessus. Ah, voilà, oh magnifique. Interception de truc. Oh merde, on a raté évidemment. Jump. Ah, on n'a pas de jump. Tant pis. On recommence, c'est parti. Donc là, on est sur une attraction forte évidemment. Censé la sensation de vitesse évidemment, c'est une attraction forte. Hop, oh, on a réussi à choper un truc. Hop, on est content. Oh, il y avait un looping. On a loupé le looping. Oh, on est déçu du coup. On nous dit jump à l'avance. Magnifique. Jump. Yeah. Jump. Non. Jump. Yeah. Celui-là était facile. Jump. Et on a un looping. Yeah. On a fait un tour de looping, magnifique! J'ai encore sauté trop tôt. Je ne devrais pas sauter pour récupérer les pièces, ça ne me sert à rien. Et la touche B ici ne sert absolument à rien. Ok, d'accord. Juste pour savoir, pour être sûr. On récupère des petites pièces, magnifique. Ça va, les graphismes sont pas trop moches. Hein. Ça peut aller. 91, qu'est-ce qui était sorti en 91? Mario 3, c'est déjà en 91? Jump! Yeah! Voilà! Jump! Yeah! Oh, louper la plateforme! Hop! Là, on va voir. Jump! Jump! Yeah! Oh, on est passé au-dessus! On reprend le looping! Oh, on a trouvé une vie! C'est moi la vie ressemblait à la vie de Megaman! Hop, encore un looping! Yeah! Jump! 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 Et on est arrivé à la fin du niveau. Magnifique! Magnifique! Ce jeu est magnifique. Welcome! On reprend notre phase de plateforme. Oula! Oula, lui il est pas content. Voilà, on a chopé un bonus. Oh là, lui il prend pas des. Oh là, lui il est chiant. Oh, il est chiant, il est chiant. On le bastonne. Allez, c'est parti. Meurs, sa tête bête. Ok. Donc là, ils sont un peu plus agressifs, les ennemis. Hein,
un petit peu plus agressif, légèrement, hein, évidemment. Une fontaine d'eau. Puis quand les fontaines d'eau, ça tue des gens? Oh, on envoie des ballons de foot maintenant. C'est génial. On envoie des ballons. Ils font plus de dégâts, eux. Mais, oh, l'eau, ça nous tue. C'est quoi ça? Depuis quand l'eau, ça tue? Mais la souris en plein milieu d'écran, c'est pas de Coubertin ça. Tac, on a. Ouais, donc à mon avis, il faut prendre les fontaines hein, malgré tout. Hein. Parce que je les esquive depuis tantôt, mais à mon avis, c'est ça qui me permettra de. Mais meurs, sa tête bête, tiole de merde. Oh non! Bon bah tant pis. Ça c'est un jeu intéressant aussi. Ça c'est un jeu qui est très intéressant. Je ne sais plus son nom. C'était quoi son nom? Je ne sais plus. Attendez, on va le retrouver ici en fait, c'est pas compliqué. Récent. Doki Doki Yuenchi. Ok. Doki Doki Yuenchi. Ok, on va le noter. Doki, Doki, Yuenchi. C'est comme ça que c'est écrit Yuenchi. Avec deux U, avec deux U. Et oui, deux U. Tac. Ça c'est pas mal, ça. Donc ça c'est bon jeu aussi. Voilà. Alors on va aller dans les E. Qu'est-ce qui va sortir dans les E? Il n'y a pas grand-chose dans les E, je pense, si. Oh, il n'y a pas énormément de jeux en E. Oh, c'est étonnant. Il n'y a pas énormément de choses. Je vais sortir en E. J'en ai combien ici? J'en ai une. 1, 2, 3. Une petite dizaine maximum. Eh bien, on va faire. Evert et Landle Top Player Tennis. Un jeu de tennis. Eh oui, mesdames et messieurs. Ouh, Chris Evert, évidemment. Hein. Donc, je suppose qu'ici, on va voir. Ivan Landel. Magnifique photo d'Ivan Landel. Chris Evert et Ivan Lendl, top player tennis, sorti par le SMIC anglo-américain. D'accord. C'est quoi ce petit dinosaure? Oula oula. Ouh, ce petit effet pas très terrible. Single. Oh, on a choisi entre Ivan Lendl, Chris Evert qui ressemble. Enfin, pour ça. Nous avons girl ou boy. On va prendre Evan Lundell, tu vois. Asmic Open à l'Asmic Colosseum. Et donc là nous allons affronter Rich. Rich qui donc déjà nous avons le même classement, ce qui déjà est absolument une arnaque, hein, évidemment. C'est pas grave. Alors attendez, ça c'est moi, ok. Ah! Ah, faute, ok. Comment ça, double faute? Comment ça?
faute. J'ai même pas touché la balle. Quoi? Attends, c'est quoi ce bordel? Ok, alors. Mais pourquoi ça fait faute? La stratégie du beauf, on recule. Hop, ah, miss. Ok, d'accord. Donc vu que je ne sais pas comment on règle la vitesse, hein, on va reculer, tout simplement. Faute, ok. C'est quoi ce truc? Break. Ok. Ok. Ouais, la maniabilité est horrible. Oh putain. Donc attendez, on a apparemment... Ok, donc là c'est un ace parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est pas grave. On va y arriver. On va y arriver. Oh, on a fait un point. On a fait un point. C'est magnifique. On a fait un point. C'est exceptionnel. On a fait un deuxième point. Allez. Je ne sais absolument pas ce que je fais. J'appuie sur toutes les touches en même temps. Alors, apparemment, ça a l'air d'être A le bouton, hein, le bon bouton. Hop, là, j'appuie sur les trucs. Oh, breakpoint. Allez. Donc, c'est un jeu qui se joue en une touche, apparemment. Il suffit de faire... Hop, voilà, ça comme ça. Voilà, ça part, c'est bon. Ok, d'accord. Voilà, 1-1. Allez, on va gagner. On va gagner. On va finir le 7 quand même. Hein. Ah, on peut faire B? Ok, ça marche pas. Ok. Donc B, c'est un peu amorti. Pas terrible, ça. Pas terrible, c'est pas très couvertin, ça. Ok, faute. Ah, il faut régler par rapport... Ok. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. C'est spécial, ça. Faute, ok. Donc il faut régler par rapport... Là! Non, mais non, je te fais le filet. C'est pas... Et en plus, il fait des petites pauses, il fait du... J'ai gagné, j'ai... Bien ça, un bel enchaînement ça, magnifique. Je suis de breakpoint, mais c'est pas grave, on va y arriver, on va. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là, oh là là, oh là là. Il fait une petite pause, il fait. Bon, c'est pas terrible hein, comme jeu. Ce jeu, je ne le conseille absolument pas. Allez, point, hop. Hop, ouais, c'est bon. Hop. On va changer de jeu. C'est injouable ce truc. Oh mon dieu. Bon, on va passer dans les F. Alors non, je ne m'arrêterai pas par la case Final Fantasy, évidemment. Parce qu'il fait ça, sinon je vais passer des heures dessus. Donc on va faire... Qu'est-ce qu'on a d'intéressant en... Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Fuck, ça l'a dû. Ah, il y a un truc en français en plus. Final Fantasy, non. Fire Emblem Gaiden. Faut que j'ai le OK, ce qui est un peu embêtant. Fuzical Fighter. Ou alors, soit on fait Fuzical Fighter, soit on fait Fushigi no Umi no Nadia. Fushigi no Umi no Nadia. Voilà. Oula, c'est un écran bleu. J'aime pas les écrans bleus en général. Un Nadia Secret of the Blue Water. Oula là. Oui, c'est un jeu traduit apparemment. Donc, start. Oh, one play. What log? One. No log. New log. One. Please input your name. Pas de problème, madame. On va mettre
On va mettre quoi? On va mettre Chrome. Vu qu'on peut pas mettre un Chromie. Ils se disent ok, yes, I am ok. One player, je veux être Chrome. Which level? Bah 1, on va commencer par level 1. Il n'y a pas de son dans ce truc. S'il y a du son. C'est la Marseillaise ça? Ta-da, 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 ta-da. Pourquoi il y a la Marseillaise? Et c'est quoi ça? C'est quoi ces petits trucs là? Je dois faire quoi? Move, skill, heal, item. There's nothing there. Stats. Who would like to check? C'est quoi ça? On va avancer ça. Oula, 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 l'écran qui déconne. Non, non, c'est normal, c'est la NES, vous inquiétez pas. Neo Atlantis Turn. C'est quoi ça? Un jeu d'échecs, ce truc ou quoi? Eh ben moi, je vais faire pareil que toi. Je move. Qu'est-ce que c'est que ça? Shotgun appeared. Je comprends pas. Je comprends pas. Il a bugué le jeu? Le jeu a bugué. Ou alors il met du temps à jouer. Oh mon Dieu, ok d'accord, on va changer. C'est quelle horreur. Je n'ai pas compris. Je suis désolé. Je suis désolé. Tant pis. J'ai envie de dire tant pis. On va passer au G du coup. Alors au G, qu'est-ce qu'on a bien? Gambare Goemon, Kakaruki Docho. Ça a l'air pas mal. On n'a pas autre chose? Si on n'a pas autre chose, on va faire ça. Hein. En tout cas, l'air intéressant. Godzilla, bah, oui, Godzilla, non, pas Godzilla quand même. The Guardian Legend. Oh putain, après dans les H, il y a Hello Kitty. Parce que j'ai les H sous les yeux aussi. Hello Kitty no Oka o Anakabate. Au Anabakate, va attaquer. Ok, on va faire ça, on fera ça après. On testera Hello Kitty. On testera Hello Kitty. En attendant, on va tester, eh bien, Goal. C'est quoi ça, Goal? Goal, et Goal, il y a Goal, et Goal, tout. On va tester Goal. Un jeu de foot. Ah, c'était à s'en douter, ça. De 1989. Mais on va tester ça. Oula, oula, oula. Oula, 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 oula. Attendez, parce qu'en fait, j'ai lancé 50 fenêtres d'IRC. Voilà. Ok, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? World Cup Tournament Shoot Competition Continue. Hein? Continue. J'ai relancé. On va faire une World Cup. Alors on va choisir. Il n'y a pas la Belgique. Il n'y a pas la Belgique. Si, Belgium. Allez, Belgium là.
Ah, ok, faut se mettre dans la position où on veut tirer. Ok. Marche comment ça? Je pige pas tout là. Oh! Comment ça marche? Je sais pas trop comment ça. C'est pas très clair en fait comme jeu. Ok, on fait que du rugby. On fait du rugby, on dégage en touche. Quoi? Je me suis fait chipper la balle. Alors on peut changer de joueur avec B. Et apparemment avec A on fait des passes, on fait des espèces de passes quoi. Non. Non, on va s'en prendre un. On va. Quel arrêt du gardien. Non. Je me suis planté. Oh. Je crois que j'ai compris. Pas plus ou moins quoi. Ok, donc le A c'est pour tirer, le B c'est pour faire des passes. Et quand on n'a pas la balle, eh bien le A c'est pour faire des tacles. On fait les passes à la Pologne. C'est pas... Alors, du coup, c'est la Pologne qui joue en rouge et les Pologne et les Belges qui jouent en blanc. Oh là, c'est pas passé loin ça. Bon, c'est saoulant, hein. C'est saoulant. C'est. Je. Non, ça va pas le faire, ça. Ça ne va pas le faire, c'est pas grave. On va tester autre chose. Le Hello Kitty, il est où? On va aller tester. Hello Kitty, il est où? Hello Kitty no hana patake. Traduit en anglais, apparemment. C'est gentil. Oh! Et le Kitty's Flower Shop. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah. Oh, mais c'est magnifique. On peut sauter comme ça avec Hello Kitty. Youpi! Et on peut mettre des coups de marteau. Magnifique. Ok, donc il va falloir anticiper évidemment les coups de marteau. Meurs. Meurs. Non? Il veut pas. On s'est fait one shot par un ballon. Oh mais non. C'est pas très Coubertin ça. Ah mais il faut remplir des trucs. Non, on s'est fait re-one shot par le ballon. Non. Donc j'ai compris ce qu'il faut faire. Et quand on fait bas, eh ben on met de l'eau dans les pots. Voilà, et ça fait des petites plantes vertes, évidemment. Voilà. Alors on se méfie du ballon. Voilà, hop, hop. Non, on s'est... Mais j'ai sauté là. Continue. Je recommence.
Ça a l'air bien, ça va être un jeu. La maniabilité est pas dégueulasse, hein, contrairement à ce que qu'on pourrait croire. C'est pas dégueulasse du tout. Mac. Bon, une fois qu'on a rempli les pots, on va faire quoi? On doit remplir les pots plus qu'une fois. Ok. On doit ramasser des fraises. Et les fraises tuent les ennemis. Magnifique. Ok, on doit tuer les ennemis avec la fraise. Ah non. On a fini le niveau, on a récupéré toutes les plantes, c'est magnifique. Ok, alors là on saute, on met de l'eau dans le pot et ça nous fait une belle plante. Voilà. Alors, je suppose qu'on peut sauter là-dessus. Ah non, pas besoin de sauter, ça nous transporte évidemment, voyons. Mac, on lui met un coup de marteau. Un coup de marteau, ça fait mal. Oh non, on s'est fait toucher par l'écureuil! Non! Non mais ça, on n'a pas besoin de ça. On peut faire comme ça. On arnaque le jeu, on peut faire comme ça. Oh mais non! Reviens ici, toi. Je n'ai que 85 secondes pour le faire, voyons. C'est pas comme si j'avais temps infini. Tu vas faire celui du dessus. Oh là, et du calme toi. Oh, on peut faire des trucs et tout. C'est génial. Ouais, on peut faire des descentes à la Meat Boy. Et on a fini. Ouais. Ça, c'est bien, ça. C'est pas bon jeu, ça. Évidemment, faut. Enfin, moi, j'aime. Je ne supporte pas cet univers bonbon, rose bonbon à la con. Mais c'est un bon jeu. C'est un bon jeu. Oui. Bon, la maniabilité n'est pas dégueulasse, hein. Les sauts sont quand même facilement faits. Vous avez bien vu, hein, j'ai pas fait 50 heures pour passer d'une plateforme à l'autre. Voilà. Voilà.
Magnifique! Bonus stage! Est-ce qu'on peut sauter là-dessus? Non, on peut pas sauter là-dessus. Magnifique. C'est... Hop. Voilà. Et eh ben voilà, on a fait le bonus stage. Et on passe au... Stage 4. Mais mon dessus me fait pas chier. Non, on s'est fait toucher par le truc à la con. Oh, mais c'est magnifique, ça. Non. Oh. Bon, c'était bien sympa, ça. On va le noter dans les jeux, dans les bons jeux. Parce que c'est pas un jeu dégueulasse en fait. C'est pas. Bon, c'est pas le jeu de l'année non plus. Mais ce n'est pas dégueulasse. Voilà. On va le noter. Donc je le mettrai dans la liste, dans la description de sur le YouTube. Vous aurez la liste des jeux que qui sont pas dégueulasses, qui sont à tester. Oui, évidemment, il y a mieux. Alors, on va passer à les i maintenant. On va tester pas mal de jeux pour l'instant. Ikari Warrior, Ikari Warrior 2. On va tester. Eh bien, nous allons tester. Qu'est-ce qu'on pourrait bien tester? On va tester ensemble. Ice Climber, eh? I can remember. Je peux. Oh non, un écran bleu, ça part mal, ça. Fisher Price, eh? Fisher Price présente. Présente quoi? Oh non, c'est un puzzle game à la con, ça, où on doit se souvenir des trucs, je parie. Gameplay, ouais, on va jouer directement. One player. Ouais, je. Ah non, play alone, c'est con ça. Ah non, ça c'est pas ce que je voulais faire ça. Oula, oula, hé. Hey. On peut pas aller à gauche. Bon, on va remettre Chromie. Hein, vu qu'on a les lettres pour. End. End, ouais. Alors, on se retrouve dans quelques minutes. Alors, pour vous, dans quelques minutes, ça ne me dit rien, puisque, en fait, ce que ça veut dire, c'est que j'arrive, en fait. Donc, la vidéo sera coupée en deux parties. Donc, la première fait 1 heure, la deuxième partie fera une demi-heure, plus ou moins. Après, je ferai des épisodes d'une heure et demie à complet, mais là, on va se quitter quelques minutes. Tant pour moi de faire une petite pause, quand même, 2 minutes. Et puis, on se retrouve pour ce machin Fisher Price de je sais pas quoi, I Can Remember. Voilà, donc à tout de suite dans la deuxième partie de cette émission.